Of my boss, the Minister of Secondary Education of the Republic of Cameroon, Her Excellency Professor Naloba Dionga, I would like to share with you the background of this conference. In his mission letter dated 28 May 2021, the Prime Minister, Head of Government of the Republic of Cameroon, Chief Dr. Joseph Dionne Boutte, urged the Minister of Secondary Education to intensify the fight against school violence. In view of the above, the Minister of Secondary Education invited 150 persons representing the various segments of our society to take part in a discussion on the phenomenon of school violence. Here today, in this room, you have parliamentarians, secondary and higher education teachers, students, parents, representatives of security forces, members of civil societies, organizations, and development partners that are meeting in an effort to define the aspects and forms of school violence in Cameroon, identify its causes, and draw up recommendations to deal with this phenomenon. Given the importance of the issue, the resident coordinator of the United Nations system in Cameroon, Dr. Matthias Nab, has agreed to collaborate with the Ministry of Secondary Education in the organization of this international conference. Excellence, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, au plan méthodologique, le ministre des Enseignements secondaires a, le 18 septembre 2022, rendu public un appel à contribution dans la perspective de la tenue de cette conférence internationale portant sur les violences en milieu scolaire au Cameroun. Dans le cadre du dit appel, Madame le ministre des Enseignements secondaires demandait aux personnes intéressées de lui faire parvenir le résumé de leur contribution au plus tard, le 20 novembre 2022. À cette date du 20 novembre 2022, nous avions reçu 250 résumés de personnes intéressées par la conférence. Un comité scientifique a été mis sur pied, lequel a sélectionné 20 des 250 résumés et demander à leurs auteurs de préparer les communications à présenter lors de cette conférence. Les dites communications devront parvenir au comité scientifique au plus tard le 10 décembre 2022. Les communications reçues à la date du 10 décembre 2022 ont été réparties dans 4 panels, à raison de 5 communications par panel. Le premier panel porte sur les visages et la typologie de la violence scolaire. Le deuxième traite des formes nouvelles et des enjeux nouveaux de la violence scolaire. Le troisième panel interroge les causes de la violence scolaire, alors que le quatrième est consacré à l'évaluation des réponses que les pouvoirs publics ont pu apporter à ce phénomène des violences scolaires. Un cinquième panel s'appesantira sur les recommandations issues de notre conférence. Je souligne à ce niveau
que le format retenu est celui des débats en plénière, il n'y aura donc pas d'atelier spécifique. Excellences, mesdames et messieurs, permettez-moi de conclure cette présentation technique de l'événement de ce jour en empruntant sa formule au doyen Vedel. Cette conférence sur les violences en milieu scolaire n'était peut-être pas nécessaire. Madame le ministre des Enseignements secondaires espère qu'elle ne sera pas inutile. Je vous remercie. Mama mo azendi